Dans quelques instants, le départ de cette sixième manche de l'après-midi, qui sera la dernière manche du Grand Prix, mais qui ne sera pas la dernière manche de l'après-midi pour autant, puisque à la fin de cette manche, vous aurez à nouveau un arrêt technique beaucoup plus court que celui qui a été fait tout à l'heure. Cet arrêt technique à la fin de cette manche sera d'environ 10 minutes, permettra à nos pilotes de se préparer pour l'ultime manche de la journée, qui sera la manche du dernier survivant. L'épreuve dite du finish, et je vous invite à rester jusqu'au bout de ce spectacle, puisque là où, dans ces manches ici, nous faisons intervenir les pilotes pour le concours du Grand Prix et le classement du Grand Prix de Seine-et-Marne ici à Villebéon. Lors de la dernière manche, ce sera une manche complètement en dehors de ce Grand Prix, où viendront se confronter tous les pilotes avec une voiture encore en course dans un maximum de 25, et pour lesquels on les fera tourner jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Dans quelques instants, la dernière manche du Grand Prix, mais qui ne sera pas la dernière manche de la journée pour autant, puisque restez avec nous jusqu'au bout, vous aurez à la fin de la journée le grand spectacle du finish de l'épreuve dite du dernier survivant. Allez, les vérifications des commissaires ont été effectuées. On va pouvoir donner le départ de cette manche avec une piste qui s'est un petit peu plus asséchée. Et qui va donc vraisemblablement être plus rapide, en tout cas plus agressive que ce qu'on a vu auparavant, en tout cas on l'espère. Je suis pas mal au cœur de Léo Bruno.
avez pu voir, c'est une explosion d'urine. Mais les pilotes sont protégés par une cloison qui leur permet de ne pas bien subir les foudres de l'eau très très chaude. Alors que nous avons en tête pour le moment le numéro 85, Romain Girard. Est-ce que vous voyez le drapeau rouge? Le drapeau rouge ordonne à tous les pilotes de s'arrêter. Le temps de, eh bien, de mettre en sécurité le pilote qui avait une durite qui avait explosé, mais eh bien, grâce à la cloison qui sépare le pilote.